T'as de la marchandise sur toi. C'est, j'ai. Mais fallait que tu le mettes dans le coffre de la voiture. Allez, que sa mère, sa mère. Ah, si jamais tu te fais attraper, bonjour, les ennuis tout de suite, quoi. Ça, il est vite teinté. Mais un cul, on sera pas arrêté. Vite Attends. teinté, ouais, tu traces en bagnole, c'est tout, hein. Nique sa mère, hein, il est encore, hein. On va Ils nous passer voient ça pas sur en la télé plus. comme ça, voilà, ils savent pas qui on est là-dedans, ils peuvent pas nous voir. Ils se rappelleront juste de la Juste voiture la jaune, voiture c'est jaune. tout. Attends 2 secondes. J'appelle le mec et on le retrouve. C'est. Tu sais, ça a été le mec qui faisait du sale pour moi, tu vois. Je lui disais. Si. Je sais plus comment on dit. J'ai oublié le nom. Ou les chicouilles. Non. Ah Le merde. mercenaire, voilà, il Ah si, faisait. d'accord. Tu vois les gens pour moi. Hitman, tu connais. Si. Bah, pareil que lui. Meilleur encul. Euh, Comment ça va? ça va, t'es où là? Faut que t'arrêtes Ça de. va, Qu putain. Quand je te raccroche le nez une fois, c'est pas la peine de me rappeler une deuxième fois. Tu comprends? Ah, tu me connais, hein, d'habitude, hein. Non, non, y a pas d'habitude. Nique les pommes, ça marche. Allez, réponds. Bon, envoie-moi une position et ferme ta gueule. Faut qu'on lui trouve une voiture, on va lui faire. On va l'amener à un endroit, on va lui faire voler une voiture, il va nous suivre avec une voiture volée pendant qu'on fait le braquage. Braquage de supérette, hein. J'ai pas Bien entendu, ouais. reçu tout du Mexique, j'ai envoyé des commandes, Ah, j'ai pas mais. trop J'ai pas envie de trop faire envie de. braquage direct. Moi, je vais mettre en place Los Vagos et recruter. Recruter. Et Il faut de après, l'argent pour ça. oui, mais Oui, t'inquiète, les choses t'inquiète, les viendront. choses viennent. J'étais au Mexique pour ça. Justement, par les business, par l'argent. Il Avec est sur le papy. parking du casino. Ben, on y go. Putain, y a pas une bagnole dans ce bled, bordel. C'est un truc de malade. Ah si. Oh putain, mais il n'y a pas qu'il roule là-dedans. Putain, c'est pas un russe. Je crois Je qu'il est crois qu'il est russe. russe. Non, c'est juste qu'il fait froid. Ah d'accord. T'es quelle origine? Mexicaine. Mexicain. D'accord. Mexicaine et français. T'es doué en quoi, toi? Plein de choses. Plein de choses. J'essaye d'être le plus polyvalent possible. D'accord. Après, tout ce qui est. Un peu plantation, tout ça. Tu gères. J'ai la main fa... la main verte. T'as la main verte. Va se poser ici pour discuter. Si. Ça a l'air tranquille là-dedans. Ici, ouais, Parce on que là, s'entend sinon, bien. moi, je me pèle les couilles après, c'est même pas la peine. Ici, on est un peu plus chaud. Donc, tu me dis que t'as la main verte. Si. Est-ce que tu saurais nous vendre des choses? Y a moyen. Après, tout dépend de qu'est-ce que vous recherchez. Ça, après, la cargaison, c'est toi qui vois les rendront. Moi, ce qui m'intéresse, tu sais te servir d'une arme à feu? Alors, arme à feu, alors, faut que je vois. Il y a des chances que j'en ai. Faut que je vois pour les prix, mais tout ça va être. Pour l'instant, c'est encore flou. Faut Et que je vois avec mon fournisseur tout ça. servir, tu sais le faire? Ouais. D'accord. Très intéressant. Tout ce qui est. Utiliser les armes à feu et s'occuper, on va dire, de quelqu'un avec une arme, je sais faire. Si.
Par contre, me mettez pas en conduite, hein. Ah, bah les pilotes, il y est déjà. C'est pour ça que je voulais le faire conduire. Ouais, je voulais le mettre derrière nous pendant qu'on fait des braquages de supérettes et il s'occupe de bloquer les policiers. Ouais, ah bah là, pour créer un bouchon, j'ai créé un bouchon. Hein. Comme ça, tu vois, lui, boum, carambolage avec la police et il fait genre qu'il a pas fait exprès. Et nous, on se barre avec l'argent. Moi, ce qui m'intéresserait dans tout ça, rentrer en contact avec eux, c'est parce que... arrivé à un moment donné, on aura besoin de quelqu'un qui a la main verte. Donc toi, effectivement, tu me dis que tu as la main verte. J'aimerais faire pousser. Le problème, c'est qu'on risquerait d'avoir la concurrence avec des putains de rouges. Les brutes. C'est puto, là. Et ben, on va essayer de rapiser le business. On va vendre la weed. Ouais, ils sont sur la weed. Et ben, on y sera aussi, nous. Et on les encule, là, s'il faut. Ouais, bah, leurs vendeurs sont souvent en moto près de la plage. Pas de problème, c'est bon à savoir. Il est informé, c'est bien ça. T'as des pales. Moi, je vais dans la bagnole. Je pense qu'on devrait bouger un petit peu parce que je commence à me les cailler les portes ouvertes. Ouais. Commence à faire froid, je suis déjà malade. Eh ben, allons-y. Attendez. Juste, j'allume mon cigare. Ah, t'as raison. Et voilà. Conduire avec. Putain, oh, j'avais oublié ça. Joli, hein. J'aime beaucoup la couleur jaune. Hein. C'est ma couleur préférée. Aussi, j'aime bien parce que tu seras obligé de l'avoir, la couleur jaune. Ah bah c'est ma couleur préférée. T'as mieux. Et pas un bâtard qui portera du rouge. Ou du violet. Ou du bleu, toutes ces couleurs là. Non, du vert de merde. Ouais, les rouges seront en train de giser dans une mare de sang. Si. C'est bien ça. J'ai failli me faire faucher ça. C'était chaud. En plus, je crois que c'était une lambeau. J'ai vu les phares arriver d'un coup. On approche là, non? Ouais, ça va être juste à gauche. Là, tu tournes à droite. Et... alors, le patron là, vite, comme juste dit, à... c'est voir. C'est juste petit, à gauche. Là. Ah, putain, c'est bien installé, c'est vrai, c'est vrai. Et ils ont un souterrain. L'immeuble est bien marqué. Gauche. Juste à gauche, ils ont un souterrain. Ah bon, faire le tour. C'est un souterrain, c'est vrai. Ouais, ouais. Tu sais pas mal de trucs pour eux, toi. Comment ça se fait que tu connais autant de choses sur eux? Oh, j'ai chopé des informations sur eux. Et puis quand... j'ai un peu exploré les lieux, quoi. Discrètement. D'accord. On fait la soupérette qui a là, par où est, non? Celle qui a là. Si, d'accord. On va la faire. Une bande de l'autoroute. Tu vois, il a fait? Ou on l'a fait? Il va la faire. On s'arrête à côté, il va la faire. Il me rentre pas dans le cul, ce con. Hey, gringo. Ouais. On va faire le braquage de supérette. Bon. On te laisse faire le braquage. On t'attend. Il a l'air suspect, le mec dedans, là. J'espère qu'il a pas sonné l'alarme. Hein. Il est en train de faire, je sais pas quoi. J'ai raté, c'était la première fois que j'en faisais. Monte. T'as raté. Oh non, il a raté, putain. Ça a pas sonné. Ça freine pas, si. Il me rappelle pas comment si, ça fait. Ça a peut-être appelé, mais ça a pas fait de sonnerie. Putain, mais de si merde. D'en faire celle-là plus loin. Putain là, de où. Merde. Putain montre-lui. De merde. Montre-lui comment on fait, parce que là... il faut tout faire. J'aime mieux essayer que par soi-même, ce pays. Putain. Vraiment des abrutis finis. Suis-moi! Cache ta voiture! En fait, j'ai capté ça. En fait, c'est juste la dernière serrure, j'entendais pas, j'arrivais pas à trouver. Ouais, il faut y aller délicatement par la dernière, c'est comme une petite chatte. D'accord. Bon, je voulais que je réessaye. T'inquiète.
Tracez. J'ai pas le temps d'acheter à manger, casse les couilles. Vas-y, vite, monte. Oh, bordel, après. Allez, mette. Monte, débile. Je vais lui prendre ma bagnole, mais ouais. C'est pas grave, monte. S'en bat les couilles, c'est une voiture voiture. Parce que là, par contre, on est vers le nord. Et l'Afrique du Nord, elle rigole pas, elle. Réactif de malade. Oh oui. Ah, oh, putain, maricole. Okay. Ah, tout va bien. Bordel de merde, j'ai cru qu'on allait mourir. Ah, ça glisse, non mais c'est incroyable sur la neige, putain, j'ai pas l'habitude. À Mexico, c'est pas comme ça. Ouais, ben fais pas trop ça près des stations essence. J'ai entendu parler que deux cons, il y a pas longtemps, ont explosé dans une station essence. Non, comment ils ont fait ça? Si, ça a été dans le journal. Putain de merde là. Vraiment, on est couillon. Apparemment, c'était deux personnes. Wouh! Ils ont tenté de sauver la vie. Vous l'avez vu, oui. Et oui, j'ai de très grands projets pour mon cousin et moi, bien entendu. Mon rêve, ce serait de pouvoir construire Los Vagos. Mais bon, en attendant, il nous faut de l'argent. Il nous faut de l'argent sale, mais aussi de l'argent propre. Donc, putain, je suis obligé de mettre la main à la pâte. Et mon cousin ne me serrera mes mains alors qu'elles sont pas faites pour être dans la merde. Non, elles sont faites pour être dans de l'or, bordel, ou sur le cou d'une femme. Un bon petit cul, là, mamma mia. Mais bon, là n'est pas la question. Je dois travailler honnêtement pour pouvoir nourrir ma famille. Et pourquoi pas grandir la famille. Ça, pour le moment, ça va prendre du temps. Mais chaque chose a son temps, comme disait mon grand-père. Je t'aime, papy. Mamma mia. Entre nous, y'a pas d'accord. Les femmes passent pas d'abord. Costa Rica, Mexico, El Vago, c'est le matador. Pose avec les gringos, bouteille de Jack and Birra. Cherche pas la guerre ou tu finiras au sol. Au barrio, sa mère, même nos mères, ils ont des armes, des sacrés coronés. Mi madre, elle baisse ton papa, ça fait papa. J'ai plu à plusieurs morts, fallait pas nous tester, j'te l'ai dit. Vago, c'est le matador. Vago, latino, c'est qui c'est le bambino. On est des bandits, tout à cas dans la chino. Moi j'allume mon cigare et j'l'éteins sur vos corps. Vagos, mi familia, est logique, on passe d'abord. Vagos, 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 toute la zone est quadrillée. Et c'est vagos, 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 qu'un fou on se tire à l'barrié. Et c'est vagos, 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 toute la zone est quadrillée. Et c'est vagos, 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 qu'un fou on se tire à l'barrié. J'suis parti en quête à la recherche de la plata. Quatre gringos sont apparus, j'les ai laissés les catamores. J'ai pas de remords, je suis connu de l'Amérique du Sud. Ma cause le nom s'éteint jusqu'à l'Amérique du Nord. Puto, puto, ramène ta meuf là, puta. Y'a mon frère Hector qui vient de sortir de tôle. Vagos tu connais, on excelle dans tous les domaines. Si on était des athlètes, on aurait la médaille d'or. Vagos puto, ramène ta meuf la puta.